Schistosome à Manzoni. Monsieur et madame Schistosome. Madame et monsieur. Vous faites partie d'une puissante confrérie, celle des vers plats parasites, les trématodes, et plus précisément, de la famille des Schistosomatidae, qui doivent, à leurs risques et périls, passer d'un mollusque à un vertébré à sang chaud, en l'occurrence, l'homme. En tant que président de la Fédération mondiale des parasites, vous avez souhaité prendre la parole dans un épisode des inventions de la vie. Et vous avez choisi la formule « question à domicile ». C'est-à-dire que vous parlez depuis l'intérieur de la veine d'un homme. Ou d'une femme. Disons, de l'un des 4 ou 500 millions d'êtres humains que vous parasitez dans le monde, dans ce qui est votre biotope commun, les eaux douces tropicales. Vous aurez la parole dans un instant. Auparavant, nous vous invitons à regarder avec nous des images montrant l'une des plus célèbres de vos consœurs parasites, la sangsue. Nous en voyons une ici, en train de percer une peau expérimentale, comme si c'était celle d'un homme. Vue par-dessus, on voit très bien les 3 scalpels dont elle se sert. C'est pour vous dire que, nous, les hommes, nous ne sommes pas forcément racistes avec les parasites, puisque celle-ci est la sangsue dite médicinale, qui nous a aidés, pendant des siècles, à saigner des malades. N'importe quoi. Pardon ? Je peux parler maintenant ? Je vous en prie. Alors, puisque vous êtes pour le choc des images, en voici d'autres. Voici un animal qui, comme nous, fréquente les eaux douces tropicales. Et voici comment il se nourrit. Toi, on ne t'a pas sonné. Et après, s'il a encore faim, il faut qu'il trouve une autre proie. Et parmi les sangsues, beaucoup ne font pas autre chose. En voici une qui avale un ver. Jusqu'au bout. Enfin, presque. Une autre qui dévore un escargot. Et en voici d'autres qui, en s'y mettant à plusieurs, vont finir par tuer un poisson. Ça, ça porte un nom. C'est de la prédation. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un vrai parasite, je vais vous le montrer. Mais d'abord une question. Pourquoi nous avoir donné ce nom affreux, schistosome? Ça vient du grec. Schistos, fendu, soma, le corps. Votre nom, pour nous, signifie « son corps est fendu ». En matière d'invention dans les rapports du couple, on peut vraiment dire en effet que vous vous êtes fendu. Vous avez inventé le couple sandwich. La femelle à l'intérieur du mâle. Sur cette photographie au microscope, nous vous avons
excusez-nous, coupé par le travers, vous et votre épouse. On voit que votre femelle est entourée par vous comme une Francfort dans un hot dog. Mais que vous, le petit pain, vous ne l'enfermez pas complètement. Par contre, vous la maintenez par un système de fermeture absolument génial. Pour un verre d'un centimètre de long et d'un millimètre d'épaisseur, avoir trouvé ça, c'est beau. T'as entendu ? Quoi ? Il m'a traité de saucisse. T'énerve pas, mange tes globules. Votre femelle étant d'ailleurs plus longue et plus mince que vous, elle dépasse de votre corps pour avaler des globules. Nos globules, à nous les hommes. Et pour pondre dans nos veines. C'est là le hic. Je vous signale que vous venez de montrer une photographie d'un couple de nos amis coupé carrément en tranches par le travers. C'est de la vivisection à la tronçonneuse. Au rasoir. En plus, il ergote. Écoutez, vous êtes quand même un ver qui parasite un demi-milliard d'êtres humains, qui leur mange les globules, leur abîme le foie, les intestins, quand ce n'est pas la vessie. Et finalement, après des années, si on ne fait rien, vous aussi, vous finissez par tuer des gens. Ce qui n'est pas notre intérêt. Mais ce qui revient au même. C'est pourquoi nous devons vous étudier en long, en large et... Et en travers. Les scientifiques, d'ailleurs, sont fascinés par l'incroyable succession d'inventions, de tours de force techniques, bref, de performances que représente votre cycle de vie. Auriez-vous l'obligeance de nous le raconter ? Ok. Mais vous avez intérêt à suivre. Accrochez-vous. Notre vie commence dans les mêmes eaux douces tropicales que celles du crocodile ou de l'alligator. Et de la même façon, par un œuf. Vous vous demandez à quoi sert ce petit éperon, comme un aileron de requin. Ça, c'est pour la fin de l'histoire. Attention, elle commence. Compte à rebours. 3, 2, 1, 0. Éclosion. C'est là que commence, pour nous autres schistosomes, ce que vous, les hommes qui nous combattez, seriez bien incapables de réaliser. Un véritable, un impitoyable, un infernal parcours du combattant. Voici l'un de nos bébés, couvert de cils, pour l'aider à nager. Première épreuve. Nos bébés nageurs n'ont même pas 24 heures pour trouver un escargot. Sans quoi, ils meurent. Et il en meurt beaucoup. Et ça ne fait que commencer. Deuxième épreuve, trouver le bon escargot. Celui dont nous avons piraté le code génétique pour que nos bébés puissent pénétrer dedans sans se faire repérer par son système immunitaire. Mais il arrive que nos bébés se trompent et pénètrent dans celui-là. Et ils ne sont pas camouflés chimiquement pour lui. C'est le piège. La mort. Enfin, ceux qui sont dans le bon escargot ne traînent pas. En un mois, ils se multiplient en se divisant, ce qui compense les pertes. De sorte que d'un seul escargot, nous faisons sortir, disons, 100 000 enfants. Vous les voyez sortir là, comme des petits flocons ? 100 000 ? Par escargot ? Dans un petit canal d'irrigation comme celui-ci, peuvent être entraînés en une journée environ 40 millions de nos bébés nageurs. Et c'est bien ça ? C'est que nous n'avons pas fini d'avoir des pertes, vous allez voir. Pour cette deuxième génération, qui est donc sortie des escargots, nous fabriquons des enfants missiles à deux étages. Une queue pour la propulsion et une tête chercheuse. Pour chercher quoi ? Nous y voilà. Eh oui, des humains, en contact avec l'eau, dans lesquels ils vont devoir pénétrer. Et tenez-vous bien, tous ces humains des pays chauds, c'est entre 11h du matin et 2h de l'après-midi qu'ils sont attirés par l'eau. Alors nous nous sommes adaptés. Nos enfants missiles sortent des escargots d'eau douce à vos heures de trempette. Comment sommes-nous renseignés ? Sélection naturelle.
Élémentaire, mon cher Darwin. Certains de nos collègues, d'ailleurs, adaptés aux étangs de forêt, peu fréquentés par les humains, ne sortent que le soir, l'heure des rats. Pour ne pas les rater. Ne dis pas n'importe quoi. Nous sommes dans un documentaire culturel. Je continue. Nos enfants missiles ont une durée de vie d'à peine 24 heures. Au-delà, s'ils n'ont pas trouvé un humain, ils meurent. N'importe quelle partie d'un humain qui trempe dans l'eau pendant 2 minutes et demie, ça suffit pour avoir le temps de pénétrer dedans. Troisième épreuve du parcours. Suivez-moi bien. Nos enfants missiles, ils mesurent alors 1/3 de millimètre, ont une tête adhésive équipée de glandes qui synthétisent des enzymes de pénétration. En 5 à 7 minutes, la peau est percée. 2 minutes et demie si c'est un enfant. Nos enfants missiles adorent vos enfants baigneurs. Ils ont la peau tendre. Dès qu'ils l'ont percée, séparation des 2 étages du missile. Ils abandonnent en entrant leur queue de propulsion. Pour traverser votre peau, elle les gênerait. Ça, c'est un des nôtres, pris au microscope à balayage, en train de percer une peau. Si on a la chance de tomber sur un poil, c'est... Au poil ! Au poil. On arrive jusqu'à la glande sébacée comme une lettre à la poste. Mais encore faut-il trouver une veine. Tout ça sans avoir mangé. Tout ça peut prendre 2 ou 3 jours. En fait, au bout de 48 heures, alors que le gros du commando a traversé, on retrouve encore 40% de nos traînards dans votre épiderme et dans vos glandes. Qu'est-ce qu'ils y font ? Je vous le demande. Et là aussi, nous avons des pertes. 10%, rien que dans la couche granuleuse. Ça nous coûte la peau des hommes. Et pour passer dans une veine, comment faites-vous ? C'est là qu'il ne faut pas avoir épuisé ces enzymes de pénétration. Parce que ça prend encore 8 heures pour percer la paroi. Et encore faut-il trouver une vénule assez grosse pour s'y introduire. Disons, de diamètre 22 microns, ça va. Mais alors après, c'est les grandes artères. C'est du billard. Que vous croyez ? D'abord... Attention, ils n'ont toujours pas mangé. Pourtant, c'est plein de globules rouges maintenant, autour d'eux. Ils sont encore trop petits pour les manger. Ils mesurent à peine 1/10 de millimètre. Et il leur faut encore prendre, sur leur réserve, pour se recouvrir de molécules de camouflage, afin de résister aux anticorps que vous leur envoyez. Et ils se laissent entraîner vers votre cœur. Le ventricule droit. De là, hop, les poumons. Et alors là, c'est l'enfer. Parce que votre sang humain, pour y être réoxygéné, passe par des capillaires trop fins pour nos enfants. Ça, c'est la 4e épreuve. Alors il faut qu'ils fassent une gymnastique désespérée pour se faufiler dans vos capillaires. C'est là encore que beaucoup de nos enfants laissent malheureusement leur vie dans les bouches de l'enfer, vos poumons. Quant à ceux qui ont pu passer, ils sont renvoyés par le sang vers le cœur. Direction cette fois, ventricule gauche. Arrivée en provenance des poumons d'enfants schistosomes non accompagnés. Correspondance pour le foie, aorte numéro 1. L'aorte, c'est l'artère principale. Mais à partir de là, nos enfants rescapés sont propulsés au hasard des artères. À un moment, ça bifurque. Un petit nombre prend la direction intestin. Ouf, c'est la bonne. Parce que tous les autres, le gros du peloton, ils sont repartis pour un grand tour. Alors là, c'est n'importe quoi. Il y en a qui se perdent, se retrouvent dans des voies sans issue. Là encore, nous avons des morts et des disparus. Un certain nombre de ces égarés bénéficient d'un joker. Une deuxième chance leur est offerte de repasser dans une petite veine. Et puis dans une grosse. Mais pour se retrouver où ? De nouveau, dans le cœur droit. Et hop, de nouveau,
dans un poumon. Et alors là, les redoublants gênent les nouveaux, ceux qui débarquent en provenance de la peau. Sans parler de ceux qui en sont à leur quatrième ou cinquième tour. On en a retrouvé à l'échangeur poumon après 35 jours. Dans quel état ? Oui, mais nous, ça n'arrange pas nos poumons. Ça n'arrange personne. Et tout ça, sans manger, on sait. Mais revenons au peloton des échappés. Ceux qui ont pris la bonne artère, ceux-là se retrouvent dans le réseau des capillaires qui entourent votre intestin. Un dernier effort, ils passent dans le système veineux. Enfin, la veine promise, entre l'intestin et le foie. Avec, pour abreuver nos enfants, un sang merveilleusement impur, bourré de glucose et d'acides aminés. Ils se fixent à la paroi, et pour la première fois depuis leur traversée de la peau, ils se nourrissent de globules rouges. Vous avez les crocs, pauvre chou. De nos globules rouges. Eh oui, alors ils grossissent, se déterminent sexuellement et s'accouplent. Chaque femelle se glissant dans le corps de son élu. C'est là qu'il mange vos globules. Combien ? Un mâle en pleine forme comme moi vous coûte 40 000 globules rouges à l'heure. C'est peu. À vous trouver. Ma femme vous coûte 10 fois plus. 330 000 globules à l'heure. Disons que sur vos 5 litres de sang, ma femme et moi vous coûtons dans les 2 mm cubes de sang par jour. Nous mangeons, nous nous promenons dans vos veines et nous faisons l'amour. Je ne vois pas où est le mâle. On y vient. Vous emmenez vos femelles pondre dans les veines de nos intestins. Plusieurs centaines d'œufs par jour. C'est pour ça qu'elles sont obligées de manger autant de vos globules rouges. Merci. Nous y voilà. Le problème, c'est que notre circulation sanguine entraîne beaucoup de vos œufs vers le foie. Combien d'entre nous finissent par en mourir ? D'une cirrhose. Étonnez-vous quand vous fasse la guerre. Écoutez, nous sommes des victimes de la circulation. La vôtre. Voici l'un de nos œufs filmé dans un de vos foies. Vous voyez, tout autour de lui, il est cerné par vos cellules. Condamné à mourir, séquestré. Vous croyez que c'est ça que nous voulons ? La preuve que non. Regardez bien ce petit éperon. Pourquoi munir nos œufs de cet accessoire ? Pour qu'ils aient une chance de s'accrocher à la paroi de votre veine intestinale et de la percer. Notre intérêt n'est pas que nos œufs finissent dans votre foie, mais qu'ils passent de l'autre côté, dans ce que vous appelez votre lumière intestinale. Pas besoin d'en être une pour savoir où elle mène. En tout cas, dehors. Et là, c'est quitte ou double. Si la matière est libérée dans l'eau, nos bébés ont des chances d'y retrouver des escargots. Et des hommes. Et tout recommence. Mais si nos enfants atterrissent loin de l'eau, alors ils sont vraiment dans ce que vous pensez. Dis-le ! L'important, ça n'est pas d'y être. C'est d'en sortir. Et là, aucune chance. Oui, mais voilà le problème. Vos œufs, qui restent dans le corps humain, ce sont eux surtout qui sont responsables de la mort de milliards de gens. On en a retrouvé dans des momies datant de Ramsès II. Et vous avez émigré jusqu'au Brésil. Vous avez voyagé dans le sang des esclaves et vous êtes passé dans celui des Indiens. Heureusement, en 1851, il y a eu Bilharz. Il a dit Bilharz ? Vous avez dit Bilharz ? Théodore Bilharz, le médecin allemand qui vous a découvert et identifié. La maladie que vous provoquez chez nous porte son nom. La bilharziose. Depuis, dans le monde entier, des microscopes vous épient. Et en 1990, à l'Institut Pasteur de Lille, on devait essayer un vaccin contre vous. Ça n'empêche pas les chercheurs d'admirer votre adaptation. Il faut dire que votre parcours... Vous pouvez dire cursus. Et je vais vous dire une chose. Vous voulez nous détruire. Bon. Mais au lieu de chercher midi à 14h, pour y arriver, vous avez un moyen. Très facile. Nous avons des confrères qui, au lieu de vous parasiter, parasitent les éléphants.
Et ces parasites-là, vous êtes déjà en train de les détruire. Puisque vous êtes en train de détruire les éléphants. Plus de mammifères, plus de parasites. Alors le mammifère que vous êtes, vous n'avez qu'à le détruire, lui aussi. Comme ça, vous nous détruirez. Technique de prédateur. Que vous êtes. Parce que pour faire ça, c'est pas difficile. Suffit d'avoir inventé la poudre. En conclusion, monsieur, pour notre défense, autant que celle des éléphants, je vous dirai ceci. Nous, les parasites, pourquoi détruirions-nous la vie, puisque notre intérêt, c'est de l'exploiter. Un parasite qui tue son hôte. Vous savez ce que c'est, monsieur ? C'est une bavure.